Merci, hein. Oui, merci. J'ai ramené les oranges. Merci. Thank you very much. C'est la seule chose que je sais dire en anglais. T'as pas les chutes, au moins. C'est quand même mieux de voir Kevin comme ça avec le sourire. Nos actes et nos paroles. Parce que pour l'instant, on n'a fait que parler. Ok? On n'a fait que se dire, on veut monter, on veut accéder, on veut faire ci, on veut faire ça. Ok, on l'a dit, c'est bien. Parler, ramène pas de points, les mecs. Ça ne nous ramène pas de points. Ce qui va nous ramener des points, c'est ce qu'on va faire après, sur le terrain. Des centres, des dribbles. Mais des dribbles pour le bien de l'équipe, hein, pas des dribbles pour dire « Tiens, je vais dribbler, le coach m'a dit de dribbler, donc ben, je vais aller dribbler. » Non, des choses qui vont être utiles pour le collectif. Position côté, Kevin, ou n'importe qui l'autre, position de centré, 20, 25, 30 derniers mètres, je veux que Dylan, Valentin et 3 minimum dans la surface. Et on coupe les trajectoires. Fort dans la tête, les mecs, déterminés, fort dans la tête. Oblige, devant, devant. Précipite pas, d'accord? C'est pas parce qu'on doit aller vite qu'on doit forcément précipiter son geste. On s'applique les contrôles, on s'applique dessus, les passes, on s'applique, on met le copain dans de bonnes conditions. Parlez, parce que si parlez, d'un coup, si on lui met une passe de merde, la passe derrière, elle sera forcément de merde. On met les copains dans de bonnes conditions. Allez, 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 allez. Là par contre où je vais être sans pardon maintenant, parce que là maintenant ils vont lâcher les chevaux, je vais être sans pardon pour mon secteur offensif, je vous le dis, les 4 qui vont démarrer là maintenant, même pour Ben, les replacements défensifs, perte du ballon, c'est en pleine vitesse, vous vous replacez en pleine vitesse pour pouvoir vous mettre face au jeu et pouvoir bien gérer après nos déplacements, nos cadrages, nos pressions. D'accord? Les mecs, on est à 3-2. Je vous ai dit en entame de causerie tout à l'heure qu'aujourd'hui, on ne leur donnerait rien. On leur en a donné 2, on en a mis 3. Ok. Ils m'ont dit, balle au centre et puis on commence. D'accord? Ce qui était important, en tout cas en début de match, on l'a vu tout de suite, c'est quand on est allé presser en bloc, tous ensemble. C'est-à-dire que quand il y a Valentin qui y allait, il y avait Mike, il y avait Dylan, il y avait Kevin qui venait resserrer, il y avait Dario qui venait resserrer, et c'est là où on a récupéré des ballons. Oh, Kevin a marqué là, sur une action comme ça, les gars. C'est hyper important qu'on continue à faire ça. Ça demande beaucoup, beaucoup d'efforts physiques, mais par contre, il faut qu'on continue à le faire, les gars. C'est important. Allez! C'est ça!
Je suis arbitre, merci. Yeah. Belle victoire, les gars. Allez voir tout le monde sur le côté. Yeah. Beau match, coach. Simplement que le petit cri de guerre avec nos gars qui sont venus, j'espère que ça c'était seulement une entrée, parce que là putain le vestiaire il doit trembler maintenant. Dis-moi juste ton ressenti sur le match, ce que tu as envie de dire sur tes joueurs. Ça roule. Non, mais on avait à cœur aujourd'hui. On est malheureux un petit peu depuis le début de saison sur des faits de match, sur des faits de jeu, sur des décisions arbitrales aussi qui nous sont défavorables depuis le début de saison. On a un effectif qui bosse, qui est présent, on avait vraiment à cœur aujourd'hui de sortir une grosse performance. On voulait le faire contre Marquette pour bien entamer le championnat. Ça n'a pas fonctionné pour diverses raisons. On a réagi sur la deuxième mi-temps à Radinghem où on est allé chercher un point à l'extérieur. Aujourd'hui à domicile, on avait surtout l'envie de gagner, de prendre les trois points, de nous resituer un petit peu mieux dans le classement. Et surtout pour que le classement puisse être un petit peu plus en adéquation avec ce que les joueurs fournissent au quotidien. Quoi, parce que c'est voilà, à un moment donné, quand ça ne va pas, ben, il faut se noyer dans le travail. Les gars le font, les garçons le font. Et puis ben, aujourd'hui, ils sont récompensés. Le score, il est ample. Et puis, on va continuer à travailler. On va essayer de continuer à construire, de faire les choses pour bâtir cette équipe, ce groupe senior, parce que la réserve est très, très, très importante pour le futur. Aujourd'hui, nos deux équipes seniors gagnent. C'est deux belles performances, on a 6 points. Donc aujourd'hui, on va savourer ça. On va savourer ça à sa juste valeur. Et puis mardi, on va repartir au travail pour les prochaines échéances. Voilà.